Hi tout le monde, c'est Stéphane, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour l'ouverture Starter Deck 2017, pardon. Donc le nouveau deck Link qui vient du Japon, en provenance du Japon. Je l'ai déjà reçu, franchement ça a été très rapide. Je suis content de l'avoir reçu. Donc avant de commencer cette ouverture, je tiens à tous vous remercier parce qu'on a dépassé la barre des 400 sur ma chaîne YouTube. Franchement, ça me fait extrêmement plaisir. Et c'est simple, je vous adore. Voilà, tout simplement. Donc je pense que ce deck sera à vendre. Si ça intéresse quelqu'un, je peux le vendre. Ou il sera à gagner pour les 500 abonnés. Oui, vous avez bien entendu. Je pense le faire gagner pour les 500 abonnés. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Et donc c'est parti, on commence tout de suite. On commence tout de suite l'ouverture. Alors attendez que je craque. Tac, ça s'est ouvert. Hop. C'est pas facile. Donc on n'a pas un bon ciseau sous la main. Je pense que ça va être bon là. Tac. Ah voilà, super. Donc pour vous informer, désolé mais pour l'ouverture pack anniversary. Donc va sortir juste après. Parce que donc j'ai eu des soucis avec la vidéo et je dois recommencer l'ouverture tout simplement quoi. Voilà. Donc nous avons déjà le livret. Donc le livret de guide. Ça explique comment jouer, etc. Les conseils. Enfin voilà quoi. Donc nous avons le tapis. Alors, donc pareil avec tout plein de conseils au dos. Bon, sans japonais, donc voilà. Hop, on va retirer. On va mettre le deck juste à côté. Alors, attendez. Tac. Voilà. Donc voilà le tapis, comment il se présente. Comme ceci. Voilà. Un beau tapis, je trouve. Franchement, c'est pas mal. C'est cool. Donc, dommage qu'il n'y a pas d'illustration de monstre. C'est juste ça que je trouve dommage. Mais sinon, franchement, sympa. Donc j'ai hâte de voir le deck. Je sais pas si vous, mais moi j'ai hâte en tout cas. Tac. Voilà. Et merde. Donc oui, pour l'ouverture pack anniversary, il y aura un petit décalage. Ça sortira juste avec cette vidéo. Et la vidéo de ma nouvelle série sur ma chaîne arrivera aussi après. Donc voilà. Donc voici les cartes Link. Putain. J'adore ce monstre, c'est un truc de fou, mais vachement stylé je trouve. Yeah, regardez-moi ça. Donc c'est une ultra apparemment. Magnifique la carte. Wow. Ok. Ça voudrait un petit peu. Donc je vais durer l'ouverture un peu longtemps, comme ça, enfin plus longtemps que prévu. Yeah, pas mal, je trouve stylé l'araignée avec le bleu. On dirait Kyogre. Stylé. Là on passe. Oh, regardez l'illustration. Enfin le, pas l'illustration mais la rareté de la carte. Ok, arrête de tomber toi. Voilà.
Sympa. Franchement sympa. On continue. Waouh. What? Eh, pas mal. Et les stylés, ce monstre. Les stylés. Wow. Et il est beau celui-là, le dragon. Donc ça, c'est une commune. Voilà. Ok. Oh, on retrouve ce monstre. D'accord. Ah, je pensais pas qu'ils allaient. Je pensais pas qu'ils allaient le l'intégrer dans le deck, quoi. Okay. Cyber dragon, ok. Lanceur photon, il me semble. D'accord. Ah, c'est cool, il réédite des anciennes cartes. Pourquoi pas. Je dis pourquoi pas. Oh, d'accord. Oh, les vieilles, c'est là. Sangai. D'accord, pourquoi pas. Oh, Curry Bandit. Ok, au calme, tranquille. Oh, d'accord. Marche pas long. Pourquoi pas. Sympa. Sympa, cette carte. Ok. Ça, c'est une carte du deck senior lumière, il me semble. Oh, l'elfe que j'ai chopé dans le pack anniversary. Ah, attention. Oh, la renaissance. J'aime bien avec cette illustration là. Je la trouve juste magnifique. Encore plus belle que la française. Un trou noir, ok. Toi, arrête de tomber. Typhon d'espace mystique, la base, quoi, j'ai envie de dire. Ok. Ok. Oh, pas mal. D'accord. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. D'accord. Elle est puissante cette carte. En fait, elle permet au monstre de son adversaire de perdre son attaque de moitié en gros. Ok, appel de lettre. Et une force miroir. Pourquoi pas. Franchement, c'est la base maintenant dans les decks. Toujours été la base. Ok. Ok. Trappe sans fond. Donc ils ont réédité pas mal de cartes. Vraiment pas mal. Et la dernière carte. Donc voilà. C'est pour le deck Link, donc la nouveauté de la nouvelle génération de Yu-Gi-Oh! Donc je vais vous les repasser un peu plus vite. Donc j'ai l'impression que ces cartes, ils ont un format différent. Enfin, au toucher, vous voyez, c'est puis même, enfin je saurais pas comment vous dire, mais ils ont un format différent, je sais pas. Donc vous voyez, c'est les quand c'est de la rareté, ils sont comme plastifiés. Et mon téléphone qui sonne, je reviens. Tout le monde, donc je disais, voyez, les raretés sont plastifiées alors que les communes non,
Donc, je sais pas. Il me semble pas que dans. Non, dans le pack anniversaire, non, c'est pas comme ça. Donc, bon, peut-être que c'est un nouveau format pour ce nouveau deck. Je sais pas. Alors là, on arrive aux bases. Yeah. J'aime bien ce monstre. Tac, je vais mettre ça là. Regardez-moi ça. C'est stylé, hein. C'est stylé. Putain, j'adore ce monstre. Il est cool. Il est cool. Après, pour voir comment qu'on les joue. Classe. Donc voilà, je pense qu'on arrive à la fin de cette vidéo. Donc pour le deck, donc soit si ça intéresse quelqu'un, je pourrais lui vendre, ou soit il sera gagné pour les 500 abonnés. Donc voilà, c'est moi, ça me fait plaisir, et voilà. Donc ben, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à mettre un max de pouces bleus à la partager et à vous abonner si vous m'avez découvert grâce à cette vidéo. En tout cas, je vous remercie de l'avoir regardé. Sur ce, moi je vous dis amusez-vous bien. Ciao.